Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Pour les tutos d'aujourd'hui, on va voir comment on peut changer l'icône d'un dossier. Peut-être que vous avez un dossier que vous ne voulez pas que quelqu'un y touche, ou bien vous voulez personnaliser l'icône. Vous pouvez le faire en suivant ce tutoriel du début jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je m'en vais vous expliquer comment on peut procéder. Vous pouvez aller chercher le dossier que vous voulez changer l'icône. Moi, c'est dans le disque D. Par exemple, tuto là, je veux changer l'icône de tuto. Au lieu que ça soit un dossier et un fichier dedans, je vais changer l'icône carrément. Ça va être quelque chose d'autre. Je fais clic droit sur le dossier. Je viens dans propriété et dans personnaliser. Une fois dans personnaliser, vous avez vu image du dossier. Ici, vous aussi, vous pouvez changer l'image du dossier. Les images qui s'affichent là, vous avez vu, il y a un dossier et il y a des images dedans. Donc, vous pouvez changer ce qui doit s'afficher dedans là. Vous choisissez une image et l'image là va s'afficher dedans. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est icône du dossier. Donc, ici, on peut changer l'icône du dossier. On peut changer l'icône du dossier facilement. Donc, vous cliquez maintenant sur changer d'icône. Voilà, on est là. Il y a d'autres icônes qui sont là que Windows vous propose. Donc, c'est à vous de choisir. On va choisir, par exemple, quelle icône? On va choisir, vous pouvez même choisir rien. Comme ça, c'est vide. Vous choisissez ici, là, il y aura espace vide. Il n'y a rien qui va s'afficher. Par exemple, je peux choisir ça là. Je fais OK et j'applique. Je fais OK. On va réactualiser pour voir. Automatiquement, vous voyez, il y a le nom qui s'affiche, mais sans dossier. Donc, soit on peut changer encore. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Changer d'icône. Par exemple, je peux prendre quoi encore. Voilà, je peux prendre l'arbre là. Voilà, l'arbre qui est là. Je peux choisir ça. Je fais OK. Je fais appliquer. Voilà, vous voyez, je vais de changer mon icône. Et vous pouvez changer même le nom. Vous mettez arbre. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre, c'est un virus. Voilà. Juste pour influencer les nouveaux qui, les, comment dire. Donc, les personnes qui veulent accéder à vos dossiers, juste pour les influencer, quand ils voient ça comme ça, ils disent, ça c'est un virus, je peux pas entrer dedans. Il va sortir. Donc, c'est tout pour les tutos d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre page. Partagez, beaucoup de partages, parce que c'est vous qui faites notre force. Merci beaucoup et à la prochaine.